méga mégaphone, saleté, va. Mais il engueule pas. Mais lui une fessée, mais lui une fessie. Saleté. Non. Voilà, et dans ta niche à mégaphone, sur la télé, toujours branchée sur TF1. Non mais, là je suis furax, hein. Il me fait des plans, lui, je suis obligé de le remettre à la... de faire le gendarme, de le mettre à l'amende, parce que sinon ça va à volo avec Jean-Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que fais gaffe, il y a... hein, fais gaffe, quand même. Non mais, alors, ce qui s'est passé hier, je vous jure, ouais. Martine, une super copine qui bosse à la production de Caméra Café, vous savez, cette super série qui passe à 20h40 tous les jours sur M6, avec les excellents Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Et des guests extraordinaires, non, de temps en temps. Thierry Ardisson. Et Martine, bon, elle me passe un badge pour passer le portique de sécurité du studio de la production pour que j'aille voir à quoi ça ressemble. Bon, moi, le badge, qu'est-ce que je fais? Bon, je le prends. Tu rentres avec? Bon, je l'utilise. Bon, après, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je rentre. Et là... Le drame. Comme dirait Franck Hédard. Et là, c'est le drame. Jean-Louis est parti en testos. Je vous laisse regarder les images. Oh mais moi aussi putain, je croyais que c'était Juju qui nous faisait une blague un peu lourde, j'étais pas allé mettre attaqué. Mais qu'est-ce que tu fais Juju là? Tu vois pas qu'on joue? Mais non mais je t'ai vu vraiment avoir peur moi, je me suis dit putain y'a un monstre quoi. Il est arrivé d'où? Il est où? Il est reparti en plus hein. C'est comme un héros, il part. C'est un super héros. Oh là là le chien. On peut revoir les images. Couché. Sois pas trop dur avec couché. Lui. Couché ici. Pas bouger, Jean-Louis, couché. Alors, comment ça? Tu dis quoi? Non, pas de... Bon, alors on voudrait évidemment embrasser très fort Martine, notre complice, sans qui rien n'aurait pu être possible, puisque c'est elle qui nous a fait passer le fameux cordon de sécurité. En revanche, nous n'embrassons pas Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, coupables d'avoir abandonné une femme sans défense. C'est en honteux. Oubliant les principes les plus élémentaires de la galanterie. Tout de suite, la démonstration avec des images au ralenti. On peut voir que j'arrive à pas de loup pour faire ma petite facétie. Vous voyez Maywen qui est là sur votre droite, a peur. Hein, c'est la première à me remarquer. Oui. Ça se voit sur sa bouche, ça fait « Oh !» Ça fait « Oh !» Et là, Yvan Le Bolloc, mais se blottit contre Bruno Solo comme un enfant apeuré dans les jupons de sa mère. Pendant ce temps-là, regardez Bruno. Oh putain, on va crever. On va crever. Et c'est à ce moment-là seulement, au moment où Maywen est envoyé en dehors du décor par Yvan, qu'il réalise que ça n'est que moi. Bruno est soulagé de 300-400 kilos.
Quant à Yvan, lui, il fait un geste à la Jacques Chirac pour montrer « Je connais ce mec, c'est bon, c'est un copain !» Quand on connaît les convictions politiques d'Yvan Le Bolloc, ce geste à la Jacques Chirac, c'est un petit peu gênant, je dois le dire. La trouille le rend réactionnaire. C'est la lutte finale. Et donc après, il y a de la blague, hein, franchement. Ils sont contents, les gars. Alors comme on s'en lasse pas de les voir rebondir à 15 mètres de haut, évidemment pendant que nous on faisait ça, eux ils étaient vraiment en train de tourner un sketch dont la fin était évidemment un petit peu modifiée par la présence du vilain mégaphone. Alors on regarde tout de suite les images que Caméra Café nous a envoyées. Nous ont prêté. Voilà. C'est sympa. Mais Hervé pas là, il est parti. Ah au fait, hein. Hervé, faut que je... Hervé pas là, Hervé est parti, oublié toi Hervé dans ta tête. Ouais. Jean-Claude Convenant, ravi. Irina Katostifa. Ouais. Moi, je suis ami internet Hervé Dumont. Ah bah c'est con, cool, parce qu'il est... Hervé, par là, parti. Putain. Ah oui, c'est vrai. Il est parti, c'est con, parce que... Non. C'est super. Et qui boit trop de café. Oh le dingue. Oh la truc, j'ai... Et regardez, il s'occupe pas du tout de Mewen. Il la laisse tomber, tout le monde la s'en pauvre. Fout. Il l'emmène. Ah si. Oh l'enculé. Ah ouais, si. Oh la vache. C'est oh vous, le chat, enculés, tu es où cet enculé là. Bravo. Non, c'est mortel, bravo. Alors, il faut quand même le dire. Il est là l'enculé, oui. faire ce genre de gag avec des personnes pareilles de l'autre côté de la caméra en langage télévisuel, ça s'appelle du pain béni. Oui. Et c'est une forme de remerciement que je vous envoie, Bruno, Yvan. Forever and my when aussi. Forever is standing in my heart.